Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans les relations cachées la parole de l'eau Badjouran, grâce à l'eau du créateur du ciel de la terre, des cycles grand glorieux et redoutable. Je remercie Baba Pascal, Baba Pascal, fidèle Pascal, tout puissant, ce qui vient inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que le manque de sens n'est bon pour personne, c'est-à-dire le manque de discernement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment. D'autres vont parler de ça, d'autres vont pratiquer cela, sans toutefois savoir comment. On va parler de la prière, comment prier. Vous savez que dans les Bibles actuelles, on va prendre déjà dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, au verset 9, il est dit, « Voici donc comment vous devez prier, deux points, notre Père qui est aux cieux. » Ça, maintenant dans d'autres versions, il est dit, « Notre Père qui est dans les cieux. » Or, quand vous lisez dans 2 Chroniques 6, 18, il est dit, « Mais quoi donc? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux ne peuvent le contenir. » Donc, on vous dit ici que les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent pas contenir le Créateur, ne peuvent pas contenir l'Oba. Comment se fait-il que pour prier, on dit notre Père qui est dans les cieux, ou bien notre Père qui est aux cieux, tout ça là? On va vous donner la bonne version, on va vous donner comment prier. Vous explique, bon, pas d'explication, mais selon l'esprit, on va vous montrer comment prier. Donc pour cela, on va dans l'évangile de Christ. Oui, les véritables propos de Christ dans son évangile. L'évangile de Christ, chapitre 36. Je le répète, chapitre 36 de l'évangile de Christ, dans le verset 53 à 57. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Deux points. Donc, Christ ici, c'était à une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale. Il a montré comment prier, comment on doit la prière consciente. Donc, voici donc comment vous devez prier. Deux points. Tété, qui veut dire Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Est-ce que vous comprenez? Que le mystère de la manifestation de ton règne soit visible pour nous, virgule, que la manifestation de ta volonté soit faite dans le non-visible, c'est-à-dire dans le visible plutôt, comme dans le non-visible. Voilà les vrais propos de Christ. Par ton verbe, virgule, donne-nous toujours notre pain et énergie quotidien. Oui, l'énergie pour travailler, l'énergie qui est la force en même temps. Quotidien. Pardonne nos offenses, accorde-nous ta protection contre les tentations et les épreuves de l'ennemi, mais délivre-nous de toutes sortes et formes d'ignorance selon la vérité. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et ensuite, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, dans leur sincérité, selon la vérité, le verbe de Tété vous pardonnera aussi pour les offenses faites hors de votre état conscient. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, dans leur sincérité, selon la vérité, celui qui est le verbe de l'Oba, c'est-à-dire de Tété, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses au jour de votre faiblesse spirituelle. Voici comment prier. Donc, je répète, on va décortiquer. Donc, l'évangile de Christ, chapitre 36, au verset 53, dit, voici donc comment vous devez prier. Deux points. Tété, c'est-à-dire Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, parce que rien ne le contient, donc il est hors, en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir, hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Et même au-delà de la non-existence. Vous voyez? Et même au-delà de la non-existence. Que, il y a virgule maintenant, que le mystère, parce que c'est un mystère, que le mystère de la manifestation de ton règne soit visible pour nous. Il y a une virgule. Que
la manifestation de ta volonté soit faite dans le visible comme dans le non visible. Ça, c'est la prière consciente. Oui, tu écoutes là, ça te, tu sens la puissance de l'esprit. Verset 54. Par ton verbe, virgule, donne-nous toujours notre pain et énergie quotidien, virgule. Je m'arrête dans la virgule et on est dans les profondeurs. Pourquoi on dit ici, par ton verbe, virgule, donne-nous toujours notre pain et énergie quotidien. Parce que selon les Bibles actuelles, il dit, tu travailleras et mangeras la sueur de ton front. Mais pour travailler, il faut avoir la force. Donc c'est pour ça que dans la prière consciente, on demande l'énergie. Et cette énergie-là va te permettre de travailler. Cette énergie-là va te permettre d'être en bonne santé, d'être force. Cette énergie-là, il y a aussi la guérison, il y a la bonne santé, ainsi de suite. Vous voyez? Et ensuite, on vous dit, pardonne-nous nos offenses, virgule, accorde-nous ta protection contre les tentations et les épreuves de l'ennemi, virgule, mais délivre-nous de toutes sortes et de formes d'ignorance selon la vérité. Donc, c'est selon la vérité qu'on va délivrer. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Verset 56. Donc, Koudoumane maintenant, le Christ ici, il entre plus en profondeur par rapport à quand on dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais non. Ici, là, les vrais propos de Christ, il dit ici, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses dans leur sincérité, selon la vérité, virgule, c'est la condition. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses dans leur sincérité, selon la vérité. Parce que quelqu'un va penser être sincère et pourtant il n'est pas dans la vérité. Là, on ne pardonne pas tes offenses parce que ce n'est pas vrai. Or, c'est selon la vérité. Le verbe de tété, c'est-à-dire du Père, vous pardonnera aussi pour les offenses faites hors de votre état conscient. Et non dans votre état conscient, mais hors de votre état conscient. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses dans leur sincérité selon la vérité, celui qui est le verbe de tété ne vous pardonnera pas non plus vos offenses au jour de votre faiblesse spirituelle. Le Père s'est encore glorifié.